Et salut tout le monde, c'est Vnecter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur No Ordinary Minecraft. Et comme vous avez pu le voir, j'ai changé de chapeau. Car je trouvais que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas changé. J'ai mis un chat qui tient un poisson, c'est mignon je trouve. On verra pour la prochaine fois du coup. Je pense que ce serait pas mal que pour chaque début d'épisode je switch. Ça serait peut-être peut-être rigolo. Tout ce bordel je le laisse là au cas où. Si j'en ai besoin un de ces quatre. Dans l'épisode précédent nous avions fait du stuff. Donc à ce niveau là je pense qu'on peut déjà commencer à se fabriquer des armor stands pour équiper tout le bordel. Je regardais, j'avais ça qui avait fini de cuire. J'ai plus de fer. Étonnant. Aurais-je de la stone? Ou aurais-je tout utilisé? J'ai l'impression, ah peut-être dans les coffres à construction. Nine. On va se faire cuire un peu de stone. On va se faire ça. Je pense que ça pourrait aller. Donc entre temps, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ma FAQ. Donc je l'avais dit, en plus je crois que c'était dans un épisode que je l'ai sans doute lancé une FAQ. C'est fait. Ça vous a bien plu, les retours sont positifs. Donc au moins à ce niveau là je sais que j'ai pas fait trop de conneries. Évidemment il y avait le décalage son. Alors ça je peux rien y faire. C'est bon, ça cuit pas. Hop hop hop. Attendez, on va reboucher ça. S'il vous plaît, respectez-vous monsieur. Ah si, mais je suis con, j'ai de la stone ici. Putain. Donc les retours sont positifs. Le décalage son, ça c'est pas de ma faute, c'est Premiere Pro, je sais pas pourquoi. J'en dis du bien et depuis il marche plus. Il décale le son de ma voix et de la webcam. Même sur pour une real game sur Dead Space. Donc j'essaye de résoudre le problème. J'ai pas envie de passer sur un autre logiciel parce que je suis habitué à celui-là. J'ai tous mes réglages personnalisés. J'ai mis du temps à les faire pour avoir une qualité à peu près potable et un niveau de comment je pourrais dire, un poids. Ouais, le poids de la vidéo pas trop lourde pour que je puisse l'uploader assez rapidement. Parce que je pourrais très bien faire une vidéo hyper belle et tout. Comment ça s'appelle? Voilà, shelf. Je pourrais très bien faire une vidéo pourquoi d'ailleurs, pourquoi Oak Potion? Attendez, je me perds dans ce que je dis. Potion. Ah c'est cela que j'ai hein, en fait. D'accord. Parce que sinon je pourrais très bien faire des vidéos en 1080p 60 images par seconde avec un bitrate de fou et tout, oui je pourrais le faire, mais bon, il me faudrait peut-être sans déconner 3 ou 4 jours de plot. Donc voilà, on va se calmer un petit peu sur ça. Donc c'est pour ça que j'avais pris le temps de faire des réglages. J'avais regardé des vidéos, des tutos, tout ça qui expliquaient bien comment ça fonctionnait. Donc ça me ferait chier de passer sur Sony Vegas ou un autre logiciel. Du coup pour le moment j'essaye de trouver le souci. Le pire c'est que c'est vraiment que dans le logiciel, vu que quand je regarde moi le rush qui est sur mon ordinateur en format brut, il n'y a pas de décalachon, donc ça vient vraiment du logiciel, c'est pas la capture qui a chié ou quoi. Donc j'arrive pas à trouver la solution. Si vous connaissez le logiciel par hasard ou quoi, si vous savez, sur internet j'arrive pas à trouver de solution. J'ai mis décalage audio son Premiere Pro truc, j'arrive pas à trouver. Et le pire c'est que je peux même pas essayer de recaler le son, vu qu'en fait c'est, j'ai l'impression que c'est plus un bug de FPS, vu qu'en fait je perds des frames. Ça enregistre à 30 images par seconde et le logiciel à des moments genre il prend 20 FPS, à des moments 30. Et du coup en fait c'est juste un décalage au niveau des FPS, du coup je peux pas recaler le son, faudrait que je le recale toutes les 5 secondes pour que ce soit bien. Et j'ai pas une journée entière à faire pour recaler le son quand même. Du coup pour l'instant j'essaye de trouver une solution.
Je verrai. Je verrai, j'espère que ça a fonctionné vu que ça me ferait chier de changer de logiciel ou d'arrêter les facecam tout simplement. Alors que tout le reste marche très bien, le rendu, le son, il n'y a aucun souci. Je sais pas d'où ça peut venir. Donc il faut des slabs, si je ne m'abuse. Voilà. Donc tac, tac. Poc. Ah, ça en fait pas beaucoup. Voilà. Hop, hop. Viens là, toi. Du coup, il me faut que je me fasse plus de slab. Il me faut plus de slab. Merde, j'ai fait des plaques de pression. Oh oh, Pouletto. Hop. Tac, tac. Alors, en tout cas, je fais cette vidéo ce soir pour moi. Je fais mon live sur WoW. Car avant la sortie de... Tiens, j'ai vu une planche ici, tiens. What the fuck. Avant la sortie de World of the Draenor, j'adore, j'ai un putain d'accent, je sais. Il filait 7 jours de jeu gratuit, d'abonnement en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai profité, j'y joue un petit peu là, je suis en train de monter en R1. Donc voilà, je suis plutôt content de ce que ça rend. Je me demande si j'additionne les trucs ou pas. Est-ce que ça fait RP? Si j'additionne les trucs. Je foutrais peut-être des Carpenters pour, histoire de faire comme un truc. Enfin un truc. Comme une espèce d'étage où ça pourrait se poser par-dessus. Déjà, on va switcher tout ça. On va aller prendre du stuff. Du coup voilà, pour ceux qui sont pas au courant, ben vous avez raté un live. Vu qu'évidemment, ah je sais pas. Non, je pourrais jamais l'upload avant ce soir. Ah peut-être. En 6 700 minutes. Ouais non, pour ce soir je pourrais pas l'upload. Du coup tac tac tac. Putain, ça apparaît pas, pourquoi? Est-ce que ça viendrait pas du shader ou du texture pack? Attendez, ça je me demande. Là, ça aussi, il faut que je vous le présente en présentation. Je vous spoil. Voilà. Putain, non, ça apparaît vraiment pas. Si je mets ça là, ouais, ça apparaît. Ah, fuck. Vous voyez quand même que c'est bien dégueulasse sans le texture pack. J'ai remarqué à 1.8, vu que je jouais un petit peu en 1.8 là récemment. Les texture packs se chargent plus vite. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même fait beaucoup d'optimisation à ce niveau-là. Et c'est plutôt appréciable. Tac, 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 tac. Nice. Donc il me reste ici, c'est quoi? C'est du mail. Le mail, je l'ai pas déjà? Non. Ouais, ben bah, le mail, il n'y a rien qui va avec. Il me reste un, deux armor stand à poser. Donc je peux me servir au niveau stuff. Plutôt pas mal. Hop, hop, hop. Ici. On va faire un peu de symétrie. Ça fait toujours du bien. Ici, je pourrais... mettre celui-là ici plutôt. Attention. Ah. Dommage. Hop. Donc voilà un petit peu toutes les nouvelles. Donc oui, donc du coup le live aussi, je reviens dessus, je me disperse un peu, je suis désolé. Pour le live, je vous conseille quand même de, même si vous avez raté le live, c'est dans la description de chacune de mes vidéos. Vous avez un lien vers mon live en fait, ma chaîne de live plutôt, vers Twitch tout simplement. Donc vous pourrez me follow sur Twitch. What the fuck? Le fut, il est invisible. Très bien, on en parle. Du coup, si vous voulez me follow, c'est toujours bien, vu que vous êtes averti par mail si je lance un stream complètement random. Là même, ça va être hardcore, vu que j'ai lancé le stream. J'ai pas trouvé de données à ce niveau-là. J'ai lancé le stream bah, depuis ma 3G habituelle, quoi. Sauf que, vu que j'avais plus internet, j'ai plus que 1 giga. J'ai consommé 19,1 giga d'internet. Et je suis chez Free Mobile, donc du coup j'ai plus que même pas 1 giga d'internet, donc je vais voir ce que ça donne.
Là, ça va être le random total, j'espère. Vu que j'ai pas trouvé de données, comme je disais, au niveau. Ah, celle-ci s'affiche, c'est cool ça. Au niveau de la consommation du data, ils disent débit réduit en débit descendant, mais jamais en. Ils parlent pas du débit montant, donc je me demande si niveau débit montant, c'est pas illimité. Donc j'ai envie de tester ça. Parce que ce serait une bonne chose en fait, je pourrais faire autant de live que je veux. Vu que logiquement le débit montant c'est pas beaucoup utilisé. Merde, ça je pourrais le mettre où? Je vais le mettre par là. Le débit montant est pas beaucoup utilisé vu qu'il débit il débite. Ils réduisent le débit descendant, vu que là les gens forcément ils peuvent télécharger avec et tout, forcément ils réduisent. Mais est-ce qu'ils réduisent le débit montant vu que en soi il y a très peu de personnes qui upload beaucoup de choses? Par rapport au download, pour aller sur une page, tout ça, il y a un petit peu de débit montant qui passe pour envoyer des données. Mais très peu par rapport au débit descendant. Donc je me demande s'il le briderait. En fait, s'il le briderait pas. Non, ça se dit. S'il le briderait pas. Ouais, s'il le débriderait, je sais pas. Je sais plus ce que je raconte. En gros, ah, il y a plein d'armes comme ça que j'ai pas fait. Ah, on peut pas les craft. Fuck. Enduril, Orcschist, Gladrin. C'est peut-être le nom des vraies armes. Je sais pas, c'est des vraies armes ça. En tout cas, Enduril, c'est stylé comme nom. Je regardais s'il y avait d'autres armes qui pourraient aller avec la fourrure. Donc non, je vais foutre ça. Du coup, ce serait stylé si j'ai débit montant infini. La sauce. La sauce. Je me demande si j'additionne pas les trucs. On va faire du Carpenters. Écoutez, on va faire de la construction, on va faire du random. On est posé, on est pépère, on est tranquille, on n'est pas pressé. Non, ça je le garde sur moi. Je le garde sur moi. On va se faire du Carpenters Block. Voilà. Parce que il y a respect. Donc. Carpenters, déjà, je crois que c'est Sharpen. Non, c'est bien Carpenter. Voilà. Donc il me faut la Carpenter's Chisel et le Carpenter's Hammer. Donc il nous faut des Carpenter's Blocks. Ouais, donc juste du bois. Je me suis dit, c'est quoi ce bloc? Juste du bois. J'aurais besoin de plus de bois. C'est pas grave. Hop. Je peux m'en faire que un. Oh, ça se fait par 5. C'est cool ça. Donc du coup, pam, et j'ai laissé mon fer là-haut. Donc on va aller chercher le fer, on va aller se crafter ça là-haut. Pof, pof, pof. Tac, tac, tac. Parce que aussi avant, je ploudais pas trop trop, en fait, je ploudais des vidéos, mais j'évitais quand même d'utiliser trop de fois la 3G, vu que je savais pas si j'avais débit réduit en upload. Donc ce sera aussi l'occasion de tester. Sinon, ben, vous aurez des lives tous les jours. Ou quasiment, parce que ce serait plutôt marrant. Oh, imaginez en 4G quoi. 4G en débit montant non réduit. Oh là là, mon dieu. Ce serait tellement énorme. Ce serait surtout bien bien marrant. Donc, normalement, je peux utiliser ce bloc. Et voilà, et le modifier un petit peu à l'infini. Normalement. Ah, je peux pas choisir la forme. Ah non, c'est pour tourner le bloc ça. Hop. Donc du coup pour faire cela. Ah ouais, d'accord, ça demande quand même pas mal de trucs. On va les faire passer la nuit. On va les raser encore cette forêt. Bientôt il y aura plus de forêt quand même. Ici j'ai bien ravagé la forêt, je me souviens. Elle était comme ça je crois la forêt, de tête. J'ai rasé le truc. Ici aussi je crois, elle venait un peu jusque là la forêt. Il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus de forêt. Le gars il déforeste. Toum. Avec la petite musique de Minecraft du bonheur. Du bois. Il me faut du bois. Hop. Et donc après il faudra me dire aussi vous si les streams de WoW ça vous intéresse. Je fais pas que. En fait si je fais WoW, mais bon je discute avec vous. Donc les streams c'est toujours bien de pouvoir discuter avec vous tant que vous n'êtes pas trop trop sur le live. En fait, pas trop trop, ça passe quoi.
vu qu'on n'est pas non plus 5000 sur le live, donc ça passe assez facilement, je peux répondre à vos commentaires, tout ça. Et maintenant que j'ai ma Freebox, enfin ma Freebox, et que j'ai changé de mon ancienne Livebox qui était en train de décéder, vu que en fait elle était tellement fatiguée la Livebox que je captais plus le Wi-Fi dans ma chambre, elle envoyait plus le Wi-Fi jusqu'à ma chambre. Donc là je pourrais utiliser mon Chromebook qu'il faut que je vous présente en vidéo depuis Perpète aussi. Je pourrais l'utiliser comme ça, je pourrais économiser encore la bande passante et vu qu'il sera branché en Wi-Fi. Enfin branché, connecté au Wi-Fi plutôt. What did he say? Qu'est-ce que c'est ça? Un snail? Qu'est-ce que c'était que ça? C'est toi qui as fait une crotte? What? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça loot des slime balls? Ouais. Pourquoi pas? Aucune idée de ce que c'est, hein. Aussi, on m'avait dit un commentaire que je me souvienne. On voulait que je fasse Alchemical Wizardry. Non, mode trop long. Pas pour l'instant en tout cas. Faudrait que je m'y penche, mais je le connais presque pas. Vu qu'il est franchement pas souvent installé dans les mod pack, vu que je crois qu'il fait beaucoup corruption. Du coup, c'est un mode qui est pas souvent installé, alors que pourtant ça pourrait être bien lol. Soit sur des modes très spécifiques, des mod pack pardon, très spécifiques, où là il y a vraiment que de la magie ou des trucs comme ça. Oups. Voilà, je cherchais une table de craft en fait. Du bois et du bois. Envoie du bois. Donc on repart sur Carpenter. Je vais me faire des comme ça. Est-ce que c'est les mêmes? Je sais pas du tout si c'est les mêmes ou pas. Je sais pas du tout si c'est les mêmes. On va se faire masse stick. Voilà. Pourquoi? Oui. Ah mais j'ai pas assez de trucs comme ça. Oh. Le fail. Voilà, 40. Donc normalement ça me manquait. Oh, oh le craft auto, parce que faut que je coupe l'extended truc en bas, c'est vraiment trop chiant. Donc je vais m'en prendre quelques-uns comme ça. Je vais voir si je peux les utiliser comme ça. Ouais. Mais eux je peux les transformer en tout. Fuck de logique, hein. Alors que les autres je peux pas. Et est-ce que... Je sais plus à quoi elle sert. Je sais pas à quoi elle sert. U. Non, rien. Aucune idée. Ah ouais, aussi, il y a pas mal de trucs. Il y a les échelles en Carpenter. Un coffre Carpenter. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qu'on peut décorer. Oh. Un Daylight Sensor. Ça, c'est pas mal qu'il ait rajouté. Carpenter's Door qui est complètement buggé apparemment. Carpenter's Torch, what the fuck. Très bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. Des trappes, des leviers en Carpenter, ouais. Truc un peu chelou quand même. Carpenter's Title. Il faudrait que je teste ça. Title c'est quoi? Title c'est titre, c'est des affiches, je sais pas. Mystère et boule de chewing-gum. Je vais aller chercher des blocs. J'avais lancé le chrono, je vais quand même me le mettre sous les yeux pour pas vous faire un truc de d'une heure, ce serait ballot. Comme la FAQ quoi, trois parties d'une demi-heure, ça voulait rien dire. Comme quoi pour répondre au truc. Donc pareil, sur les lives comme ça, je réponds aussi aux questions s'il y a des trucs que j'ai omis durant la... Hop. Durant le live ou quoi, et que vous avez d'autres questions à me poser, un petit peu plus personnelles ou des trucs comme ça. D'où tu te mets à l'envers toi? De schlag. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme forme. C'est chelou ça. Putain, on dirait des petits toits de maison. C'est rigolo ça. Ouais, on dirait bien des toits de maison. Ouais.
J'ai l'impression qu'on revient au début. Sauf que j'arrive pas à le remettre dans le sens de base. Toi aussi, apprends à utiliser Carpenter's Block avec moi. Parce que la dernière fois que j'ai utilisé, c'était à 1.6. T'es sérieux toi dans ta vie? J'ai l'impression qu'il garde des ID différentes. Ouais, vous voyez, ils ont pas la même ID. What? Je comprends plus rien. C'est pas grave. Est-ce que si je fais ça... Oh, c'est dégueulasse, hein. On est bien d'accord. Complètement dégueulasse. Peut-être si je monte un cran au-dessus. Et que je fais ça... Je sais pas pourquoi ils ont des ID différentes. Carpenter's Wiggle. Prime Wiggle. Slop. Mystère, mystère, mystère. Ils servent à quoi? On peut faire aussi des escaliers en Carpenter, ça c'est pas mal. Parce que moi qui voulais pour l'extérieur... Je pourrais peut-être changer ces escaliers, même s'ils font relief un peu, je trouve. Je trouve que ça rend bien avec ces escaliers. Je sais pas, vous me direz. Et je pourrais utiliser Carpenter sur la tour. J'aimerais bien, en fait, le tourner de façon à ce que ça fasse un angle ici et que ça passe un petit peu plus par là. Attendez, se poser là. Est-ce que ça sert à le tourner? Ça change un truc que je sneak ou pas? Absolument pas. En fait, j'aimerais bien que... Ah! J'aimerais bien, mais genre que ça fasse l'angle ici. Est-ce qu'il y a moyen? Non. Voilà, ça, je voudrais le tourner et le mettre dans ce sens-là. Putain. Bon, on va faire 100 pour l'instant. Hop. On va poser les trucs en mode random. Je chercherai de mon côté voir comment ça sionfonne, vu que j'arrive pas à trouver. Donc, lui, on va le mettre ici ou un cran au-dessus. On va le poser un cran au-dessus. Donc, j'étais là, ici. Et si on fait de la contre-symétrie par rapport au bas, je pense que ça pourrait bien rendre. Ouais, comme ça. Ouais, ça c'est pas mal, je pense. Hop. Ouais, et si on fait l'inverse comme ça, ça fait le truc, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà. On va chercher du stuff. Les carpenters, on va bouger ça pour l'instant. Ça. Nice. Donc je récupère ça. Poc, 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 poc. Hop. Ah lui on le voit, donc ça c'est déjà une bonne chose. Oh j'ai cru que j'avais pas fait la pioche. Tac, tac, tac. En fait je classe les trucs au fur et à mesure des damages. Hein. Donc c'est ça alors. D'ailleurs. Voilà, mieux. Non, je ne suis pas toqué. Donc là, nickel. Ça... Golden Alloy, il me semble. Alloy. Ouais, il y avait du stuff en alloy. Ouais. Donc, j'ai pas fait le stuff en alloy. Oui, je l'avais fait cuire la dernière fois. Est-ce qu'il s'affiche? Oui, il s'affiche, ça c'est nickel. Donc on va aller juste reprendre un armor stand et on va poser le bleu là pour l'instant. Voilà. Juste prendre ça sur nous au cas où. Que je vais mettre ici du coup. Est-ce que c'est ça? Un bloc au-dessus? Exactement. Voilà et on va poser ça. Hop hop hop, où tu vas toi? Pack, stuff.
Slack, slag, slag et slag. Voilà. Nique-le. Ça, c'est nickel. Donc là, ça commence à prendre forme. J'aimerais faire un truc. Peut-être l'avancer un petit peu comme ça, d'un cran. Je verrai. Faut que je trouve une solution pour afficher. Ou à l'étage. Je pourrais mettre des trucs à l'étage. Faudrait voir. Donc j'ai trouvé ça. Hein. Cette maudite tour, faut que je l'agrandisse. Bon, déjà, faudrait que je remplisse les salles en bas avant de vouloir l'agrandir, vu que ce serait un petit peu inutile de ma part. Du coup, ben moi, pour le moment, on va s'arrêter là. Je pense que ça va aller. Le temps, on est dans le temps, c'est nickel. Même si je regarde beaucoup le temps comme ça des épisodes, c'est juste pour le plot en fait, vu que si je fais plus longtemps, il y a de certains paliers où YouTube bride en fait, c'est un peu chiant. Pour une demi de plus, ça peut avoir une heure de plus de plot, c'est un peu chelou. Bref. Du coup, n'oubliez pas de me rejoindre du coup sur ma chaîne Twitch, c'est dans la description de la vidéo, comme d'habitude, à vous abonner si vous venez d'arriver sur ma chaîne, à partager la vidéo, à mettre un petit j'aime, ça fait super plaisir, à mettre un commentaire, ça me fait encore plus plaisir, j'essaye de répondre le plus rapidement à vos commentaires, je pense que vous l'avez remarqué. Donc moi, je me demande, c'est les Enderman qui ont dû bouger ces blocs là, je pense. Donc moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde, à plus. Ouais, ici, il n'y a rien.